Le 2 décembre 1804, le sacre de Napoléon Ier eut lieu à Notre-Dame. Il devint ainsi l'empereur du Premier Empire de France. Il demanda au peintre Jacques-Louis David de prendre acte éternellement de ce moment. Ce tableau gigantesque, large de 6,10 mètres, long de 9,30 mètres, comprend 191 personnages. L'auteur a fait le croquis de chacun d'eux. Selon la conception originale, le tableau aurait dû figurer le courage de Napoléon se couronnant lui-même devant le pape. Mais l'empereur changea d'idée finalement. Le peintre a peint, selon la volonté de l'empereur, l'impératrice de celui-ci recevant de lui la couronne pour dire qu'il faut compter sur ses propres forces pour accéder au pouvoir. Napoléon Ier, dont la moitié de sa vie fut consacrée au champ de bataille, se comparant à Alexandre le Grand et nostalgique durant toute sa vie de l'époque de Rome, avait un faible pour les peintures de l'Antiquité gréco-romaine. À l'époque, le néoclassicisme visant à faire valoir de nouveau l'esprit gréco-romain était en plein essor dans le domaine de la peinture. De disposition concise et de format géant, les œuvres néoclassicistes plaisaient beaucoup à Napoléon. Un grand nombre de peintures étaient inévitablement utilisées à des fins de propagande. Malgré cela, des chefs-d'œuvre grandioses respirant l'héroïsme résultèrent de la réconciliation de la politique et de l'art. On ignore quelle aurait été la sensation de l'empereur Qianlong à la vue de ces peintures fougueuses, lui qui était habitué au paysage. Napoléon Ier tentait de se poser en un monarque héros sous forme de tableau géant et l'empereur Qianlong, comment a-t-il fait pour épancher ses nobles aspirations et ses sentiments? Il s'agit d'un bol émaillé de l'empereur Qianlong. Il est peint de pavillons, de kiosques, d'arbres et d'hirondelles avec un poème de l'empereur inscrit en exergue. L'empereur sut parfaitement réconcilier la poésie, la calligraphie, la peinture, la porcelaine et la technique d'émaillage, poussant ainsi la technique de la porcelaine à son summum. La technique d'émaillage mise au point durant les dernières années de l'empereur Kangxi connut un grand développement sous le règne de l'empereur Yongzhang et parvint à son summum sous le règne de l'empereur Qianlong. La dextérité de cette technique consiste à appliquer la technique de la peinture d'oiseaux, de fleurs, de montagnes et d'eau sur la surface des produits céramiques. L'empereur Qianlong aimait interpréter la perfection par des procédés techniques fins et compliqués. Le vase de porcelaine multicolore géant sur lequel ont été appliquées 16 techniques que les futures générations qualifient de mère de la porcelaine et la masse de jade de plus de 5000 kilos sculptés, le grand Hu, dompteur des inondations, témoignent tous deux de l'ambition et de la grandeur d'âme de l'empereur Qianlong. L'attachement de l'empereur Qianlong et de Napoléon Ier pour l'art n'était pas aussi simple que celui des gens du peuple. Pour eux, l'art devait être le vecteur de la volonté politique et de l'idéal du souverain. Le Louvre est fermé le mardi. Or, c'est la journée la plus chargée pour son personnel.
Isabelle s'affaire pour faire combler les vides laissés par les objets d'art retirés et destinés à l'exposition sur Napoléon par des pièces de la même catégorie entreposées. Les 400 000 objets d'art constituant la collection du Louvre peuvent jouir de la tranquillité seulement en ce jour de fermeture. Chacun d'eux a son histoire et représente une époque. Les victoires successives remportées sur les champs de bataille permettaient à Napoléon de faire s'acheminer des tonnes d'objets d'art au Louvre. Les murs de la grande galerie de celui-ci étaient chacun couverts de tableaux accrochés en trois rangées. La concentration de cette importance de chef-d'œuvre d'art légendé de toute l'Europe constitua un acte sans précédent. En raison de cela, un grand nombre d'artistes affluaient au Louvre. Au début du XIXe siècle, le musée de Bonaparte devint le centre des arts impérissables de toute l'Europe. En Chine lointaine, l'empereur Qianlong de la dynastie des Qing figure comme un lettré confucianiste sur cette peinture intitulée Empereur Yongzhang et son fils, le prince héritier. Le futur empereur Qianlong a transformé son violon d'Ingres en une grande cause de collection à laquelle il était très attaché. Il a aussi catalogué ses collections. Il n'a jamais pris la collection d'objets d'art pour un pur divertissement, mais lui a imprimé un sens politique profond. L'empereur Qianlong a sous son règne réuni sans précédent les trésors du pays. La quasi-totalité des chefs-d'œuvre connus dans l'histoire des arts de Chine ont été grappillés dans la cité interdite. Parmi les butins de Napoléon Ier, plus de 5000 pièces furent restituées à différents pays européens suite à la défaite de Waterloo. Néanmoins, il reste au Louvre de nombreux chefs-d'œuvre, dont le plus grand tableau du musée, les Noces de Cana. Des butins de Napoléon furent rétrocédés à des pays européens, tandis que des objets d'art faisant partie de la collection privée de l'empereur Qianlong furent dispersés à travers le monde à cause du déclin de son empire. De nos jours, on peut voir au château de Fontainebleau, en France, des vases de porcelaine, des lanternes impériales et des fresques bouddhistes chinoises en provenance notamment du palais Yunmingyuan. Le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte mourut à Sainte-Hélène. Une époque prit ainsi fin. Vrai ou faux, mérite ou faute, qu'importe. Le Louvre doit son développement à Napoléon Bonaparte. C'est là un fait irréfutable. Le palais du Louvre fut en pleine évolution durant les 160 ans qui ont suivi la mort de Napoléon Bonaparte. Avant 1989,
il était pour les visiteurs fourvoyés en un véritable labyrinthe à cause de son entrée étroite, de ses parcours mal indiqués et de ses 224 chambres. Il fallut attendre un Chinois pour y faire survenir des changements. Pei Yuming, un Américain d'origine chinoise, fut l'un des architectes qui a le plus réussi au XXe siècle. Élevé dans la culture traditionnelle chinoise, il était attaché aussi bien à la tradition qu'à la modernité. En 1981, le gouvernement français lança le projet du Grand Louvre, en entreprenant des travaux de réfection dans ce vieil édifice. Le président Mitterrand soutenait le projet de Pei Yuming, mais 90% des Français s'y opposaient. Les travaux ont duré 8 ans. Pei Yuming était toujours en proie à des soupçons et à des critiques. Pourtant, il resta fermement attaché à ses principes de conception malgré une immense pression sur lui. En 1989, une pyramide faite de 793 vitres commença enfin à dresser sa posture devant le grand public. Les Français l'ont accepté. Le palais du Louvre, refait, devint un véritable musée moderne avec un très bon éclairage et une superficie d'exposition deux fois plus vaste. De nouveaux travaux de réfection prévus pour 3 ans furent entamés en 2009. À une certaine époque, des travaux de réfection et d'aménagement se poursuivirent dans le palais impérial, dont la porte Wumen est devenue une salle d'exposition permanente. Le vernissage de l'exposition sur Napoléon Ier aura lieu bientôt. Isabelle, venue pour la première fois à Beijing, met la dernière main aux préparatifs. Dans un jour, les visiteurs connaîtront la splendeur d'une personnalité d'un palais à travers ses statues, ses peintures et ses tapisseries. L'appréciation d'une même relique culturelle ou d'un même chef-d'œuvre varie selon les gens de différentes époques. Cela est d'autant plus vrai qu'il s'agit des gens d'un pays très éloigné d'une autre civilisation. La rencontre entre le Louvre et la Cité interdite est celle entre deux grandeurs. Elle constitue une voie de la conversation d'une civilisation avec une autre et est susceptible de créer du nouveau. En été 2008, le musée du Louvre organisait une grande exposition sans précédent consacrée aux civilisations du Moyen-Orient. Des reliques culturelles en provenance des divers grands musées européens y étaient exposées. Parmi les objets exposés à cette occasion, nombreux sont consacrés à la Tour de Babel. Ce qui montre que cette tour a exercé une influence profonde et durable sur les artistes et la société de l'Occident. Cela est dû entre autres à un récit important produit dans le cadre de la civilisation occidentale que les Orientaux n'arrivent pas à comprendre. Dans l'Ancien Testament de la Bible, la Genèse, on apprend ceci. Il y a très longtemps, tous les êtres humains se servaient de la même langue. Ils voulaient construire une tour qui monterait jusqu'aux cieux afin de faire parade de la grandeur de l'humanité. Cela équivaudrait à un défi adressé à l'autorité de Dieu. Alors le Dieu a diversifié les peuples en leur donnant un langage propre.
Aucune cohésion n'était plus possible entre eux désormais. Les travaux de construction de la tour de Babel restaient inachevés. C'est une fable qui circule depuis 3000 ans environ et qui veut dire ceci. La colère de Dieu est à l'origine du malheur qui frappe l'humanité. L'écart et le conflit entre diverses civilisations constituent un handicap au développement de l'humanité. Tandis que la tour de Babel est devenue dans le monde occidental le synonyme de la requête de confiance, de la compréhension et du dialogue. En 2008, Xu Bing, artiste chinois, était à une autre extrémité de l'Eurasie. Il tente depuis longtemps de scruter la compréhension et le dialogue par la voie de l'art. Très sensible aux langues écrites humaines, Xu Bing forge petit à petit dans son esprit l'idéal de la langue écrite universelle.巴比塔的这故事是非常深刻的。人类如果都使用一种语言，人类的力量是巨大的。上帝呢，觉得人类不能够这么能干，所以呢，就把那巴比伦塔给拆了。实际上，他拆呢是靠什么呢？是靠这个对文字的拆解而达到的。我们设想，如果人类有一种共同的文字，人类就可以做各种各样的事情。我觉得人类的力量就可以变得非常非常的巨大。 De son premier tableau, l'écriture venue d'en haut, que personne ne comprend, à sa nouvelle création en cours, l'écriture terrestre faite de dessins, en passant par la nouvelle calligraphie de l'anglais, que les Occidentaux peuvent comprendre et imiter, Xu Bing peint en s'inspirant de son attachement à l'écriture et de sa compréhension, ainsi que de ses réflexions sur diverses cultures. Il est désireux de réaliser la parfaite union de différentes cultures et de différentes écritures par le biais de ses propres créations artistiques continues. Dans la salle du Moyen-Orient du Louvre, en s'attardant devant un grand nombre de reliques et d'objets d'art plusieurs fois millénaires, on a du mal à croire que cet espace limité devant soi contient les plus brillants chapitres de la civilisation primaire de l'humanité. D'aucuns disent ceci, c'est là l'origine des êtres humains ou le jardin d'Éden dans la Bible. D'autres disent que cette contrée a dardé la première lueur de l'aurore pour illuminer la civilisation de l'humanité. D'autres disent encore que c'était là un pays en proie aux changements fréquents du pouvoir et aux guerres endémiques. C'était le Moyen-Orient, la Mésopotamie ou la Babylonie. Il y a 7000 ans, alors que la plupart des êtres humains vivaient de la pêche et de la chasse, un système d'irrigation bien adapté faisait déjà son apparition en Mésopotamie. Il y a 4000 ans, la science qui partage et divise le temps y était très développée. On savait diviser une année en 12 mois, une semaine en 7 jours et une heure en 60 minutes. La première ville est née, ainsi que la première école, la première bibliothèque, la première épopée et le premier code de l'humanité. L'écriture cunéiforme, le premier système d'écriture mondiale, fut créé là aussi. L'écriture cunéiforme et le système d'écriture de la Mésopotamie
On a donné ce nom de cunéiforme, qui vient du latin, qui signifie cuneus, coin, parce que l'écriture est faite en forme de petits coins ou de petits clous, à l'ensemble de ce système. Les Chinois de l'Antiquité gravaient des inscriptions sur les carapaces de tortues très onéreuses, tandis qu'en Mésopotamie, on écrivait des caractères cunéiformes avec de la glaise et des tiges de roseaux, qu'on trouve très facilement. De nos jours, les savants estiment que les différentes civilisations ont commencé à se distinguer l'une de l'autre dès le développement embryonnaire de leur écriture.在上面密密麻麻呈现了93个甲骨文字。他所占卜的是这样的一句话：他说，在商王出去打猎的时候，会不会有灾祸发生？当时呢，在商代人类呢，为了寻求庇佑，经常呢会进行占卜活动。那么您可以看到呢，他占卜总共占卜了11遍。 En Chine antique, on disait la guerre et les rites sacrificiels sont les plus grands événements pour l'État. Les inscriptions sur carapace et os laissées à l'issue des rites sacrificiels Le bouddhisme vénère le Bouddha et aussi les bodhisattvas qui se décident à devenir Bouddha. Maitreya est l'un des plus importants personnages des bodhisattvas bouddhiques. Il y a 2000 ans, la foi en bodhisattva fut introduite en Chine avec le bouddhisme depuis l'Inde. Sur cette terre, cette foi commença sa sinisation. La grotte 275, dont les travaux de Percé ont débuté au 5e siècle, est la plus ancienne du genre à Dunhuang. On a érigé une effigie colossale du Bodhisattva Maitreya assis. Elle a les pieds croisés, le torse presque nu, sa robe, qui la moule bien, est de style indien. Les premières effigies du Bodhisattva Maitreya apparues en Chine se présentaient généralement dans une position assise, avec les pieds croisés, avec la couronne et le collier bouddhique. De telles effigies portent très peu de traces de la sinisation. Le changement fondamental dans l'image de Maitreya intervint au Xe siècle.
Comme le moine sac de toile, Chi-Tzu était reconnu comme étant la réincarnation du Bodhisattva Maitreya. Les gens créèrent sur cette base la nouvelle figure du Bodhisattva Maitreya, bedonnant et souriant. Au XIVe siècle, l'empereur Zhu Yuanzhang de la dynastie des Ming ordonna au temple du pays d'adorer le Bouddha bedonnant Maitreya. Depuis lors, les différentes figures de Maitreya laissèrent place à cette image du moine sac de toile, et celle-ci que nous connaissons aujourd'hui fut ainsi cristallisée. La substitution des précédentes figures de Maitreya par celle du moine sac de toile fut un grand changement dans le processus de sinisation des figures bouddhiques. Parallèlement à cette évolution, il y eut aussi le phénomène de laïcisation et d'adaptation locale à la foi en Maitreya. Maitreya signifie, selon les textes bouddhiques, le bienveillant, qui symbolise la joie et le bonheur. Le passage de l'image grave de Maitreya, doré au perché en Inde, à un être humain ordinaire en la personne du moine sac de toile en Chine, ce Bouddha Maitreya souriant qui fait face à la vie positivement transmet ce message de jouissance. Un monde joyeux, merveilleux pourra se réaliser en ce monde humain rien qu'avec les propres efforts des êtres humains. Aujourd'hui, le pays natal, fond droit du moine sac de toile, est devenu le centre de rayonnement de la culture de Maitreya. Le moine sac de toile, personnage clé dans la sinisation de la foi en Maitreya, est aussi admiré et apprécié dans le monde entier. Au Japon, comme en Inde, Maitreya sac de toile, qui est la bonhomie même, est adoré comme le dieu de la fortune. L'image du Bouddha Maitreya et la culture qu'il représente pénétrèrent progressivement dans le monde laïque en Chine, tout en incorporant une touche de laïcité au saint lieu imposant du bouddhisme. Le Bouddha Maitreya, souriant et bedonnant, manifestation de l'idéal des Chinois pour le Bouddha, a été diffusé dans le monde entier en tant que symbole du bouddhisme chinois.